divorce présidée par le juge Martineau. Monsieur Saunier, ex-conseiller financier, demande le divorce contre Madame Saunier. Ils sont mariés depuis 3 ans. Madame Saunier a 35 ans de moins que son mari. Bien. Maître Auriol, puis-je avoir votre exposé des faits? Madame Saunier n'a jamais aimé son mari. Elle ne l'a épousé que pour son argent. Pendant leurs 3 années de mariage, Madame Saunier, catcheuse professionnelle, ne s'est pas contentée de pratiquer son sport favori sur les rings. Elle l'a également exercé chez elle en brutalisant à plusieurs reprises mon client. Madame Saunier a une liaison extra-conjugale avec son entraîneur. Avec sa complicité, elle a soutiré de l'argent à son mari. Pour ces motifs, Monsieur Saunier demande le divorce. Il réclame la totalité du patrimoine du couple, y compris les nombreuses actions qu'il possède en bourse. Bien, merci. Maître Roy, votre exposé. Madame Saunier a dû supporter pendant au moins 2 ans les harcèlements sexuels de son mari. Dès les premiers mois de leur mariage, Monsieur Saunier a refusé toute aide financière à sa femme. Elle a dû reprendre alors un métier qu'elle détestait, le catch, pour subvenir à ses besoins. Madame Saunier a beaucoup souffert de la jalousie déplacée et sans fondement de son mari. Celui-ci est même allé jusqu'à lui reprendre des obligations qu'il lui avait données, la laissant ainsi démunie de tout. Pour ces motifs, ma cliente demande le divorce. Elle veut conserver la totalité du patrimoine du couple ainsi que les actions en bourse qu'elle a achetées. Elle réclame également une pension alimentaire de 10 000 francs par mois. Bien, merci. Maître Auriol, vous pouvez appeler votre client. J'appelle Monsieur Edgar Saunier. Monsieur Saunier, le demandeur dans cette affaire, s'avance maintenant à la barre. Il a 65 ans, il a toujours été timide avec les femmes et il admire les catcheuses depuis toujours. Il a fait une brillante carrière dans le milieu de la finance. Il est aujourd'hui en retraite. Monsieur Saunier, vous avez connu votre femme le soir où elle a été élue meilleure catcheuse de l'année, je crois. Oui. Ça fait à peu près 3 ans maintenant. Quand elle était sur le ring, elle était vraiment somptueuse. Un style, une personnalité. Elle était vraiment fascinante. Un peu comme si elle était Johnny Westmuller et Joséphine Baker à la fois. J'ai tout de suite demandé à son entraîneur, M. Bruet, de nous présenter. Ça a été un véritable coup de foudre. On essayait de se voir le plus souvent possible entre 2 tournées. Puis on s'est mariés. C'est à ce moment-là que ma femme m'a dit qu'elle avait assez de tendre des bras, de donner des coups de tête, et elle voulait entièrement se consacrer à moi. Monsieur Saunier, votre grande différence d'âge a-t-elle eu des incidences sur votre couple? Non, pas tout de suite. Le premier mois était merveilleux. Et puis, c'était comme si, je sais pas, j'avais du mal à y croire. Comme si j'avais retrouvé ma jeunesse, quoi. Puis ma femme s'est mise à s'intéresser de plus en plus à mon argent, à mes placements en bourse. Et elle s'est mise à monnayer sa tendresse. Oui, j'en étais arrivé au stade où il fallait lui donner des actions pour un simple baiser. Et ensuite, elle a carrément demandé de l'argent pour aller au lit. J'avais l'impression d'être avec une prostituée. Voilà. Je lui ai offert un bracelet de 5 000 francs pour passer une nuit avec elle. Un chèque de 30 000 francs pour une semaine. Lorsque vous avez fait ces cadeaux à votre femme, s'est-elle montrée plus affectueuse? Oh, pas du tout, au contraire. Elle n'arrêtait pas de se plaindre, elle disait qu'elle s'ennuyait, que ses amis catcheuses lui manquaient. Moi, je voulais que son bonheur. Alors, je l'ai encouragée à reprendre le métier. Elle m'avait promis de ne pas s'absenter trop longtemps. En fait, elle ne rentrait à la maison qu'un jour par semaine, et en plus, elle faisait chambre à part. Elle disait que pour son seul jour de repos, elle avait envie de tout, sauf de passer sa nuit contre un vieux corps comme le mien. Lui avez-vous demandé de faire moins de matchs? Oh, bien sûr. Je l'ai supplié de passer un peu plus de temps avec moi. Ça l'a fait rire. Même un jour, elle m'a dit que j'étais comme tous les vieux, sans arrêt entendre me plaindre. Puis elle est repartie, avec son Jacques Bruel, son entraîneur. Oh, je savais bien que... Oui, il ne faisait pas que ça pour l'entraîner au catch. J'en ai eu la confirmation le jour de l'anniversaire de ce monsieur Bruet. Ah bon? Et que s'est-il passé ce jour-là?
Elle lui a offert la limousine que je lui avais offerte pour son anniversaire. Pendant la fête, ils ont disparu. Alors quand je suis ressorti, j'ai essayé de les retrouver. Et je les ai retrouvés sur la banquette arrière de la limousine. Monsieur Bruet, nu comme un verre, et ma femme collée à lui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour faire de dessin. Avez-vous parlé de cette scène avec votre femme? Oui, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Pour que je lui pardonne. Elle a dit que c'était de ma faute si elle était dans les bras de ce monsieur Bruet, parce que je l'avais toujours tenue à l'écart de ma vie professionnelle. Elle a ajouté que si je lui apprenais tout ce que je savais sur la banque, les finances, tout ça, notre couple irait mieux, alors je lui ai pardonné. J'ai commencé à lui apprendre tout ce que je savais sur le métier. Après quoi, c'est vrai, elle est restée de plus longtemps à la maison, partager tout. Votre couple allait mieux. Oui, on partageait tout. Même mes actions. La même semaine, ma banque avait refusé des chèques assez importants. Une bonne part de mes actions et de mon compte en banque était immobilisée. Alors, comme j'avais donné des obligations à ma femme, elle les avait mises en sécurité dans sa chambre. Je lui ai demandé de les échanger contre des espèces. C'était juste un prêt que je voulais. Alors, surtout que je lui en avais assez appris, elle ramassait de l'argent à l'appel. À ce moment-là, elle s'est mise à hurler, pas question, ces obligations sont à moi, c'est la récompense pour avoir accepté de partager ton lit alors que tu as déjà un pied dans la tombe. Voilà ce qu'elle a dit. Et qu'a fait votre femme ensuite? Elle a dit qu'elle voulait me quitter pour aller vivre avec son amant, là, son brunet. Alors moi, j'ai essayé de l'en dissuader. Elle m'a attrapé par les bras, elle m'a fait tourner au-dessus de sa tête. Oui, c'est une prise bien connue des catcheurs. Ils appellent ça l'hélicoptère. Puis après, elle m'a envoyé par terre, je me suis cassé les poignets. Et elle a d'abord téléphoné à son avocat pour savoir ce qu'elle risquait. Et c'est que seulement après qu'elle a appelé l'ambulance. C'est là que je me suis évanoui. Quand avez-vous revu votre femme? Le lendemain. Je suis sorti relativement tôt de l'hôpital. J'ai pris un taxi pour rentrer chez nous. J'ai trouvé ma maison sans dessus-dessous. Il y avait des bouteilles de champagne vides partout, comme si on avait fait une fête. Alors je suis monté au premier. Là, il y avait la porte de la chambre de ma femme qui était ouverte. D'abord, j'ai vu la valise, une valise à moitié faite sur le lit. Et ensuite, Joël avec son entraîneur. Ils étaient tous les deux couchés, nus. Il ronflait, monsieur. Ah oui, oui, tu peux y aller, oui. Alors là, je suis sorti, j'ai foncé chez mon avocat. Pour demander le divorce, voilà. Je vous remercie, monsieur Saulnier. Pas d'autres questions, monsieur le juge? Bien, merci, maître Roy. Le témoin est à vous. Monsieur Saulnier, il y a environ un an, vous avez bien vendu des bijoux appartenant à votre femme pour payer des commissions que vous deviez à vos courtiers, et tout cela sans lui en parler. Alors là, vous n'y connaissez rien. C'est impossible. Les courtiers prennent d'abord leur commission avant de me donner le moindre bénéfice. Mais si vous avez refusé toute aide financière à votre femme, c'est parce qu'elle n'acceptait pas de partager vos excentricités sexuelles, voilà. Mais pas du tout. Si vous appelez des excentricités sexuelles d'avoir envie de sa femme une fois par semaine, alors ça, oui, je l'avoue, je suis un excentrique. Et pourtant, c'est bien vous qui avez insisté pour que votre femme se mette au lit en tenue de catcheuse. Et devant son refus, qu'avez-vous répliqué? Je te paye suffisamment cher, alors monte sur le ring et envoie-moi au septième ciel. Mais ce que vous dites ne tient pas debout. J'ai simple... C'est elle qui a refusé, qui se refusait à moi pour être avec son amant, ce monsieur Bruet. Et on le savait depuis longtemps, ça. Allons, monsieur Saulnier. Sans même parler de monsieur Bruet, n'avez-vous pas toujours été jaloux de tous les hommes qui ont entouré votre femme? Monsieur Bruet est le seul qui ait eu une liaison avec ma femme. Enfin, oui, le seul à ma connaissance. Monsieur Saulnier, vous n'avez jamais réellement surpris votre femme et monsieur Bruet en pleine intimité, n'est-ce pas? Et dans la limousine, alors? J'ai peut-être pas saisi tous les détails de leurs ébats. Non, mais j'appelle encore un chat, moi, madame. Bon, revenons à cette limousine qui a été offerte en cadeau d'anniversaire à monsieur Bruet.
C'était un cadeau offert par toutes les catcheuses de l'équipe de M. Bruet. Et non seulement par votre femme, monsieur. Je n'en crois pas un mot. C'était exactement la même limousine que celle que j'avais offerte à ma femme. Mais votre femme ne vous a-t-elle pas expliqué qu'elle avait prêté sa voiture à M. Bruet en attendant que la sienne lui soit livrée? Mais non! Ma femme et les autres catcheuses étaient de connivence. C'est parce que je me suis mis à faire un esclandre, un scandale, qu'elles se sont décidées à ce moment-là à lui offrir une autre voiture, enfin, peut-être. Et lorsque vous êtes rentré de l'hôpital, où vous avez soi-disant découvert votre femme en compagnie de M. Bruet, ne vous a-t-elle pas expliqué que M. Bruet était là uniquement pour l'aider à faire ses valises? Ça, j'ai jamais entendu un tel euphémisme. Ah, effectivement, M. Bruet aidait ma femme à faire sa valise, mais croyez-moi, il s'occupait à autre chose quand je les ai trouvés. Je ne me permettrai pas de donner plus de détails, je respecte trop la cour ici présente. Pas d'autres questions, monsieur le juge. Bien, merci, maître. Monsieur Saunier, vous pouvez regagner votre place. Merci, monsieur. Maître Auriol, vous pouvez appeler votre témoin. J'appelle mademoiselle Agnès Delsol. Nous allons maintenant suivre la déposition du témoin de monsieur Saunier. Il s'agit de mademoiselle Agnès Delsol, une ancienne catcheuse connue sous le nom d'Amazon. Elle a 32 ans. Elle a quitté le catch pour ouvrir une parfumerie. Mademoiselle Delsol, madame Saulnier, vous avez-elle parlé de son mariage? Oui. Quand ils se sont mariés, Joël, enfin madame Saulnier, m'a dit « J'ai rencontré la poule aux œufs d'or. Je vais rester avec lui jusqu'à ce qu'il me paye pour que je divorce. Ou qu'il fasse de moi une veuve richissime. » 6 mois plus tard, elle a repris l'entraînement et elle m'a dit « Ce vieux schnock est plus résistant qu'un chêne. Il faut que je trouve le moyen de l'aider à mettre le deuxième pied dans la tombe. » Avez-vous vu madame Saulnier en train de brutaliser son mari? Oui. Un jour, monsieur Saulnier est entré dans les vestiaires. Ils avaient invité des amis à dîner et il voulait s'assurer que Joël n'avait pas oublié. Alors, bang, elle lui a fait le coup du marteau. C'est une redoutable prise de catch. Redoutable. Et puis elle lui a dit « Casse-toi ». Je suis sûre que même un cheval se serait effondré avec un coup pareil. Objection, monsieur le juge. Objection accordée. Mademoiselle Delsol, avez-vous vu madame Saulnier et monsieur Bruet dans des positions que l'on pourrait qualifier de compromettantes? Alors ça, oui, et vous pouvez me croire. Je les ai vus dans des positions les plus indécentes. Et c'était d'un mauvais goût en plus. Une fois, je suis entrée dans les douches du club, ils m'ont même pas remarqué tellement ils étaient occupés. Ça, Joël et Jean-Pierre auraient pu jouer les premiers rôles dans un film porno. Hein. Attends, je ne veux pas dire que j'en ai déjà vu, mais ils étaient complètement nus avec de la mousse partout. Enfin, je me demande même comment ils ont fait pour pas se casser la figure. Ben oui, le savon, ça glisse. Hein. Merci, mademoiselle Delsol. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Merci. Maître Roy, le témoin est à vous. Mademoiselle Delsol, ne seriez-vous pas un peu jalouse de madame Saulnier parce qu'elle a été élue meilleure catcheuse de l'année à l'issue du match qui vous opposait? Mais le match était truqué. Jean-Pierre Bruet avait payé l'arbitre pour faire en sorte que ce soit elle qui gagne. Elle aurait jamais pu me battre sans ça. Jamais. Je suis solide comme un roc, tu n'aurais jamais pu gagner. Non, madame Saulnier, un peu de retenue, je vous en prie. Sinon, je vous fais évacuer. Poursuivez. Alors pourquoi avoir dit à madame Saulnier que vous étiez prête à tout pour être élue meilleure catcheuse de l'année comme elle, y compris à coucher avec monsieur Saulnier pour mais de l'argent. Je n'ai jamais dit ça. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Joël a gagné ce titre parce qu'elle était avec notre entraîneur, pas avec monsieur Saulnier. Et puis je vous rappelle que maintenant j'ai quitté le catch. J'ai une parfumerie, une boutique très chic d'ailleurs. Ah oui. Et justement, vous avez proposé à monsieur Saulnier, et ce devant madame Saulnier, d'avoir une liaison avec lui s'il acceptait d'investir dans votre boutique. Je ne lui ai jamais fait une proposition pareille. Je lui ai juste proposé des parts dans notre société. C'est ma faute à moi si elle a tout déformé? Pas d'autres questions, monsieur le juge. Bien, merci, maître. Mais vous pouvez retourner à votre place, mademoiselle Delsol. Maître Auriol, vous avez d'autres témoins? Non, monsieur le juge. Bien. Maître Roy, vous pouvez appeler votre cliente. J'appelle madame Joëlle Saulnier. Tu t'es toujours servi de tes fesses pour gagner de l'argent. Non, madame, je vous en prie.
Madame Saunier a 30 ans et pratique le catch depuis 10 ans. Elle est connue sous le nom de la torture. Madame Saunier, quand avez-vous découvert que votre mari n'était pas l'homme qu'il prétendait être? Pendant notre nuit de noces. Avant notre mariage, mon mari m'avait dit qu'il avait 50 ans et qu'il était multimillionnaire. Mais cette nuit-là, il m'a avoué qu'il avait 65 ans, qu'il était passé par la chirurgie esthétique. Quant à son argent, il reconnaissait à peine avoir 1 million devant lui. Et comme ça le gênait de me le dire, il parlait entre ses dents, en plus elles étaient fausses. Mais je lui pardonnais, c'était mon mari que j'aimais, pas son argent ni son acte de naissance. Avez-vous remarqué que votre mari avait des désirs sexuels pervers? Si j'ai remarqué. Les quelques premières semaines, il s'est tenu à peu près convenablement. Mais après, il m'a demandé de m'habiller en tenue de catch pour faire ça. Et comme je refusais, il m'a proposé de l'argent, comme si j'étais une putain. J'ai continué à refuser, alors là, il s'est ramené avec une cravache. Il était habillé en barésie et il portait une guêpière en vinyle noir. Il avait l'air tellement ridicule dans cet accoutrement que je lui ai dit « Soit tu tiens correctement, soit je fais chambre à part. » Comment a réagi votre mari quand vous avez refusé de le satisfaire? Il m'a dit que si je ne jouais pas le jeu, il me couperait les vivres. Avant, je gagnais assez bien ma vie avec le catch. Mais il me restait un tas de factures à payer, le frais de ma voiture, des crédits comme tout le monde. Avant notre mariage, il m'avait dit qu'il prendrait tout en charge. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait me faire chanter. Son argent pourri contre ses trucs pervers. Alors j'ai préféré reprendre le catch. Que s'est-il passé exactement à la soirée d'anniversaire de M. Bruet? Rien. Sauf qu'avec les filles du catch, on avait décidé d'offrir une voiture à M. Bruet. Mais mon mari a cru que c'était moi qui lui avais offert, parce que c'était mon amant. Alors M. Bruet a voulu éviter les problèmes. Il a voulu partir et comme il avait bu, je n'ai pas voulu qu'il prenne la voiture, j'ai décidé de le ramener chez lui. Mais à peine arrivé dans la voiture, il s'est mis à me bousculer, il a voulu jouer au chat à la souris, il a enlevé son pantalon, il a voulu enlever ma robe. Et mon mari a tout de suite tiré des conclusions malsaines, comme d'habitude. Madame Saunier, avez-vous essayé de prouver à votre mari qu'il pouvait avoir confiance en vous? Mais oui, j'ai tout essayé. J'ai même arrêté la tournée. J'ai accepté tout ce qu'il me demandait. Même sur le plan sexuel. Mais mon mari devenait de plus en plus cinglé. Il passait ses journées à feuilleter des revues porno pour voir si son... Enfin, j'imagine qu'à son âge, il devait se faire du souci. Alors dites-nous, que s'est-il passé à la soirée d'adieu organisée pour votre mari? Je suis revenue d'un match spécialement pour cette soirée. Mais l'avion avait du retard. J'ai voulu prévenir mon mari, mais je n'ai pas pu. Alors j'ai téléphoné à M. Bruet pour qu'il vienne me chercher à l'aéroport et qu'il m'emmène à cette soirée. Et quand nous sommes arrivés, mon mari est devenu fou de rage. Il s'est mis à hurler. Je comprends pourquoi tu es en retard. Tu étais trop occupée à mettre ton étalon au tapis. Et il m'a piqué la cuisse avec une fourchette. Il m'a humiliée. Et il m'a blessée comme jamais personne. Juste après cet incident, le comportement de votre mari a de nouveau changé. Est-ce exact? Oui, c'est exact. Il s'est radouci. Il m'apportait le petit déjeuner au lit. Il m'envoyait des fleurs. Il fondait en excuses. Il s'habillait en pyjama, comme tout le monde. Comme je suis faible, eh bien, je lui ai pardonné. J'aurais dû me douter qu'il y avait anguille sous roche, comme on dit. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? 2 jours après, mon mari m'a demandé de lui donner les obligations que j'avais gagnées avec la sueur de mon front. Je lui dis d'accord, mais à condition qu'il me signe une reconnaissance de dette. Mais ça, ça l'a mis dans une fureur. Le soir même, je l'ai vu dans ma chambre, il tenait les obligations dans ses petits doigts crochus, là. Et il a voulu s'enfuir, et c'est là qu'il est tombé dans les escaliers. Et quand les ambulanciers sont venus le chercher, il m'a hurlé, je ne veux plus jamais te revoir. Vous l'avez écouté? Oui, j'ai cru qu'un peu de séparation nous ferait du bien tous les deux. Mais je n'avais pas le cœur à m'en aller, alors j'ai téléphoné à M. Bruet pour qu'il vienne me donner un coup de main. Mais le lendemain matin, quand mon mari est revenu de l'hôpital, il est devenu, mais fou! C'est là qu'il a dit qu'il nous avait pris sur le fait. Il se mettait à hurler, il nous disait « Je vais vous trouver la cervelle, ça lui fera prendre l'air !» Je vous jure qu'on a beaucoup de chance d'être encore en vie, M. Bruet et moi. Merci, Madame Saulnier. Pas d'autres questions, Monsieur le juge? Bien, merci, Maître Roy. Maître Auriol, le témoin est à vous. Madame Saulnier, mon client vient de m'informer qu'il vous a acheté les boucles d'oreilles que vous portez aujourd'hui il y a environ 1 an. Pouvez-vous le confirmer? C'est faux, c'est Jean-Pierre. Enfin, c'est M. Bruet qui m'a apporté ses boucles d'oreilles. Quand... Enfin, je peux vous dire que mon mari n'a déboursé pas un franc pour ses boucles d'oreilles. Ni pour rien d'autre, d'ailleurs. Monsieur le juge, tous ces chèques figurent sur la liste dans le dossier de mon client en annexe 1. Bien, j'en prends note.
Madame Saulnier, si votre mari avait refusé de payer vos factures comme vous le prétendez, pourquoi aurait-il accepté de signer ses chèques pour le remboursement de votre voiture et de toutes vos dettes? Il a signé ses chèques, c'est vrai, mais il tenait une comptabilité au centime près. Je vais tout lui rembourser, il prenait même 10% d'intérêt. Revenons à cette fameuse soirée d'adieu dans les bureaux de votre mari. Lorsqu'il vous a surprise avec M. Bruet dans les toilettes des hommes, vous étiez dans une position que l'on peut dire compromettante. Je peux vous dire qu'il a inventé toute cette histoire, hein, parce que même si j'avais eu envie de M. Bruet, ben, j'aurais pas fait dans un endroit pareil. Pourtant, lorsque M. Saulnier vous a surprise avec M. Bruet sur une table dans les vestiaires de votre club, la transpiration à ce moment-là ne vous gênait guère. Oui, lâchez-moi les baskets. Il était simplement en train de me masser un muscle froissé. Ça fait partie aussi de son travail, figurez-vous. Ah bon, bah alors si les massages font partie de son travail. Madame Saulnier, pourquoi avez-vous dit à votre mari « Je suis plus heureuse en 5 minutes avec Jean-Pierre que pendant des heures avec toi ?» Mais j'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit à mon mari que ce serait mieux pour nous deux s'il arrêtait de parler tout le temps de ça. Pourquoi votre mari a-t-il été obligé, je vous cite, de vous voler des obligations, puisque vous les déteniez en commun avec lui? J'en sais rien, vous m'embrouillez à la fin. Tout ce que je sais, c'est que j'avais des obligations à moi et qu'il a essayé de me les voler. Madame Saulnier, quand votre mari vous a demandé de lui prêter de l'argent, vous lui avez bien dit « Tu ferais mieux de crever, tu pourrais rembourser tes dettes rien qu'en économisant l'argent que tu dépenses pour tes fausses dents et ton postiche. » Mais c'est pas vrai! Ce salopard ne voulait même pas me donner de l'argent et en plus il voulait voler mon propre argent. Et quand vous avez fait tourner votre mari au-dessus de votre tête grâce à vos talents de catcheuse, pourquoi lui avez-vous dit « Si je te jette au bon endroit, je serai enfin débarrassée de toi » Mais si vous êtes dingue, c'est pas vrai. Si j'avais voulu faire du mal à mon mari, je l'aurais cassé autre chose que les deux poignets, je peux vous le dire. Ah, ben quelle délicate attention. Mais plus tard, la seule chose qui vous gênait quand votre mari avait les poignets cassés, c'est qu'il ne pouvait même plus vous signer le chèque de 500 000 francs que vous lui aviez demandé. Mais quel mensonge! Edgar, j'arrive pas à croire que tu mentis à ce point. La nuit même, j'ai essayé d'aller chez lui pour m'excuser. Mais il m'a traité de putain et il m'a claqué la porte au nez. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Bien, merci, maître. Madame Saulnier, vous pouvez retourner à votre place. Maître Roy, vous avez d'autres témoins? J'appelle monsieur Jean-Pierre Bruet. Mais monsieur Bruet... Monsieur le juge, je vous prie de nous excuser, je n'ai plus d'autres témoins. Bien. Alors, dans ce cas, l'audience est suspendue. Nous nous retrouvons au tribunal des divorces. Le juge Martineau va rendre son verdict dans l'affaire Saulnier contre Saulnier. Le mariage doit être fondé sur la confiance mutuelle des époux. Or, celui-ci n'était fondé que sur le mensonge et l'avidité. De plus, rien dans ce procès n'a prouvé la perversité de M. Saulnier. D'ailleurs, M. et Mme Saulnier, au lieu de vivre dans un appartement, auraient mieux fait de vivre sur un ring. Par contre, le délit d'adultère et la cruauté physique de Mme Saulnier ont été prouvés. En conséquence, le tribunal décide d'accorder le divorce à M. Saulnier. Il conservera le domicile conjugal, puisqu'il en était le propriétaire avant son mariage. Il conservera 75% de son portefeuille d'actions. Madame Saulnier en conservera 25%. Elle ne recevra bien entendu aucune pension alimentaire. Madame Saulnier, maintenant je voudrais vous dire quelque chose. Vous aussi vous prendrez de l'âge. Et peut-être que dans quelques années, vous aimeriez bien avoir quelqu'un qui vous témoigne de l'affection. Mais peut-être que vous trouverez quelqu'un qui agira avec vous comme vous avez agi avec votre mari. Pensez-y. La vie prend quelquefois sa revanche. L'audience est levée.